Ah Emilien, tu tombes bien, ouais. Bonjour. Salut Eric, ça va? Je pense que tu peux m'aider. Ouais. J'ai un client là qui vient d'acheter ce superbe 9070 et il me demande de monter cette prétailleuse, c'est possible? Ah oui, tout à fait, c'est possible. Ah oui, parce que tu as vu les connectiques électriques, hydrauliques, on a ce qu'il faut sur la machine? Électrique, hydraulique, c'est possible, on peut tout mettre sur la machine. D'accord. Et il me demandait, parce que lui, il a des idées bien précises sur les fonctions qu'il veut piloter depuis chaque ouais. bouton. Tu peux lui programmer ça? C'est possible, tout est personnalisable au niveau de la poignée. Donc ça veut dire qu'un autre, son chauffeur par exemple, peut avoir un autre programme? Ouais, on peut aussi créer un deuxième programme pour son chauffeur, c'est possible, ouais. Et toutes les fonctions vont apparaître sur l'écran IntelliView, ça ouais. tu peux le faire? Exactement, l'écran va afficher toutes les fonctions qui sont programmées sur la machine. D'accord. Et si on veut monter cet outil sur une autre machine, comme la 9070 qui est là, c'est possible aussi? C'est possible aussi. Cet outil-là va pouvoir s'adapter aussi bien sur une monorang que sur une machine N. D'accord. Et il a d'autres outils aussi qui voudraient monter dessus. Ça, tu pourras le faire? C'est possible aussi. On peut monter évidemment d'autres outils sur ces machines-là. C'est génial ça. Tu vas m'expliquer ça un peu plus dans le détail maintenant. Eh bien oui, c'est parti, je vais te montrer. Ok, merci. Bon, Emilien, tu m'as dit qu'on pouvait monter n'importe quel outil sur nos machines. Alors je sais qu'elles sont intelligentes, mais comment la machine va reconnaître les outils? Alors en fait c'est très simple, pour chaque outil que tu vas avoir sur ta machine, tu vas avoir un shunt avec cet outil. D'accord. Donc un petit connecteur électrique qu'on va venir brancher ici dans ce qu'on appelle la boîte de polyvalence. D'accord. À chaque fois que tu changes d'outil, tu attelles l'outil sur la machine et tu viens en même temps brancher le shunt qui correspond à ton outil. Et quand ce shunt est branché, la machine reconnaît automatiquement l'outil et on n'a aucun réglage à faire, on peut directement utiliser l'outil dès qu'il est monté sur la machine. Elle est paramétrée grâce à ce petit shunt, elle est paramétrée pour l'outil qui est monté. C'est ça, tout à fait. Parfait. Alors Emilia, tu m'as expliqué qu'on a paramétré la machine en fonction des besoins du client et maintenant le client, ben, il arrive dans sa parcelle avec son outil. Comment ça se passe concrètement pour lui à l'utilisation? Alors, pour le client, c'est assez simple, assez intuitif. Comme on a vu tout à l'heure sur la machine, le client, il branche son shunt sur la machine une fois qu'il a attelé l'outil. Et à partir de ce moment-là, la machine reconnaît l'outil qui est attelé. D'accord. Ensuite, on va retrouver les fonctions essentielles au fonctionnement de l'outil, à savoir les sorties hydrauliques et les sorties électriques, donc qui permettent de faire fonctionner l'outil. Et pour que le client puisse se remémorer les fonctions de chacun de ses boutons, il a la possibilité, dans l'IntelliView, d'aller dans l'onglet poignée pour voir les fonctions de chacun des boutons de la poignée. D'accord, donc si je suis un petit peu perdu, je vais dans cette page d'écran et là, je reconnais toutes les fonctions de chaque bouton. Exactement. En plus, on peut avoir, pour des outils assez complexes comme ici un pull V, plusieurs pages de boutons oui. pour multiplier les possibilités, les fonctions de la poignée. Non. D'accord, à aucun moment je peux être perdu, je sais que je peux retrouver toutes les fonctions dans cette page d'écran. Voilà. C'est parfait. Et pour rendre la chose encore plus intuitive, si on actionne par exemple ici une fonction électrique, on va avoir l'état de la fonction qui change pour voir si on est actionné ou pas. D'accord, donc quand tu m'expliquais qu'on pouvait visualiser les fonctions sur l'écran IntelliView, c'est ce que tu es en train de me montrer là. Exactement. Alors Emilien, tu sais que nos clients nous parlent beaucoup de sécurité au travail et notamment en polyvalence. Alors nous, New Holland Bro, qu'est-ce qu'on a fait pour cet aspect sécuritaire et pour l'utilisation de nos machines en polyvalence? Alors au niveau de la polyvalence à la demande, on va retrouver plusieurs systèmes de sécurité. Mm-hmm. Déjà, on va avoir des choses assez basiques comme par exemple la possibilité de couper les pompes, par exemple si on a une prétailleuse à l'avant, pouvoir l'arrêter dès que le chauffeur se lève du siège. D'accord, donc il y a un problème, sur la machine, j'arrête la machine, je descends, et dès que je descends, je sors du siège, ça coupe les pompes. C'est ça, exactement, tout D'accord. s'arrête. Et après, on va avoir un autre système qui va concerner plus la pulvérisation. Donc comme tu le sais, nos machines sont équipées de cabines Blue Cap 4 avec la filtration catégorie 4. Et ce système-là va avoir la possibilité de se mettre en route automatiquement dès qu'on va venir installer le pulvé sur la machine, même si c'est un pulvé d'une autre marque. D'accord, donc ça veut dire que je suis chauffeur avec un pulvé, partenaire ou pas, dès que ouais. j'enclenche le pulvé en fait, eh bien je vais aussi enclencher la filtration classe 4 de ma cabine. C'est ça, exactement. Sans action du chauffeur. Sans action du chauffeur, on peut le programmer avec le technicien quand on fait le programme pour faire fonctionner l'outil.